Est-ce que vous connaissez l'histoire de Fang Ying? Personne ne la connaît? Alors moi, je vais pouvoir vous la raconter parce que je suis l'unique descendant d'un des deux pèlerins envoyés par l'empereur Justinien en l'an 560 pour découvrir comment on fabriquait la soie. En Europe, nous avions le drap de lin, le drap de laine, le drap de chanvre. Tout ça, c'est un peu rude. Et les grands de ce monde avaient vu que les Génois apportaient des étoffes chatoyantes, très fines, la soie. L'Église appelait l'étoffe du diable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il suffisait d'un souffle sur la soie, sur un vêtement de soie,